มาเชียงใหม่ถ้าไปก็ดูประมาณเฟบรุวารีหรือว่าเดือนกุมภาLe 16 mars 1968, la compagnie Charlie, appartenant à la 11e brigade de la division US Américale, entre dans le village sud-vietnamien de My Lai, censé être une arrière-garde Viet Cong. En quelques heures, les GIs massacrent la quasi-totalité de la population, essentiellement des civils, n'épargnant personne. On dénombre près de 500 victimes, dont un quart d'enfants de moins de 13 ans, qui mourront dans des conditions indescriptibles. Plus tard, l'état-major américain se félicitera d'avoir exterminé de dangereux ennemis. Les faits ne furent rendus publics qu'au bout d'un an et demi, et un procès s'ouvrit contre le lieutenant Collet, alors responsable de l'opération. Collet fut condamné à la prison à vie, mais relâché 3 jours plus tard à la demande du président Nixon. Il vit actuellement à New York, définitivement blanchi de son crime. La petite Anh Trinh, alors âgée de 6 ans, est resté caché pendant 3 jours et 3 nuits après que la compagnie ait entièrement incendié son village. Toute sa famille a été massacrée. Elle fait partie des rares survivants de la tragédie de My Lai.
Namasami Supatipanno Bhagavato Sāvaka Saṅkho Saṅkhaṃ Namāmi